Isabelle Mal, j'ai 53 ans, je suis mariée et maman de deux filles de 24 et 18 ans. J'habite dans le 12e depuis 1998. C'est un arrondissement que j'aime particulièrement parce qu'il est agréable et très convivial. En tant qu'entrepreneur dans le numérique, j'observe et j'analyse la mutation technologique rapide qui se produit dans notre société. La digitalisation bouleverse l'accès à l'information, change les façons de travailler, la formation, modifie nos usages et notre accès aux services. Pour éviter que cette transformation ne vienne aggraver une société déjà très fragilisée, il faut engager rapidement et les réformes nécessaires afin d'accompagner pour que cette transformation soit comprise et surtout accessible à tous. En tant que citoyenne soutien de Manuel Valls lors des primaires du PS en 2011, puis candidate au municipal 2014, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il faut, face à la défiance de nos concitoyens, changer la façon de faire de la politique et qu'elle doit être revisitée. Je pense qu'il faut bousculer les codes, innover, essayer, tenter, échouer et recommencer, mais qu'il faut surtout changer d'état d'esprit, libérer toutes les énergies créatrices et tout faire pour redonner confiance en l'avenir. Persuadée depuis longtemps qu'il faut dépasser les clivages gauche-droite, privilégier le pragmatisme à l'idéologie, j'ai adhéré au mouvement En Marche dès sa création. Par conséquent, soutenir Laetitia Avia est quelque chose de pour moi qui est tout à fait naturel et aligné avec mes valeurs. Laetitia représente cette société civile, engagée, enthousiaste et optimiste dans laquelle je me retrouve tout à fait. Il s'est donc pour moi indispensable de donner la plus large majorité possible à notre nouveau président de la République afin qu'il puisse permettre à la France d'entrer enfin pleinement dans le 21e siècle et redonner envie d'une Europe plus forte et plus juste. Allez, en marche avec Laetitia Avia les 11 et 18 juin 2017.